Voilà, je suis très content et je suis très heureux pour la visite de l'ONG Sœur parce que déjà c'est une manifestation qui a donné assez de joie à nos enfants ce soir, à nos enfants qui vraiment ont besoin de soutien, ces enfants qui ont aussi besoin de vivre comme les autres déjà. Et je crois, je tiens à remercier la PDG de l'autre côté qui a vraiment fait un long chemin pour être ici ce soir. Et infiniment merci. Et je suis très heureux encore une fois de plus avec tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de s'organiser pour les prochaines fois aussi. Voilà un peu. Merci, merci infiniment à vous. Moi, j'ai dit à Tata Ezaura que Dieu va faire que il va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il va encore organiser plus que ça. J'aimerais que Tata Ezaura vienne ici l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir rendre visite à ces enfants. Il y a des enfants démunis. Et les apporter de cadeaux, de nourriture, rester avec ces enfants, leur donner le sourire. Voilà. C'est l'amour du prochain, en fait, le sens du partage. Parce que ce que je suis en train de faire actuellement, si tu n'as pas le sens du partage, l'amour du prochain, tu ne peux pas. Donc voilà, le peu que j'ai, le peu que les amis qui me soutiennent, on met ensemble, voilà, et puis on fait des gestes aux enfants. Je le fais chaque 2 mois en fait. J'ai commencé en août et chaque 2 mois, je fais des dons. Donc ça, c'est mon 3e don. Ce que je demande peut-être à la population, c'est un truc que j'aimerais faire, être dans l'humanitaire, aider les enfants. Ces personnes qui n'ont, les enfants qui n'ont rien, même les personnes âgées qui souffrent vraiment, c'est mon projet. Donc, ce que je me demande, toutes ces personnes qui me regardent actuellement, s'il y a d'autres qui ont envie d'aider, parce qu'il y a beaucoup qui ont envie d'aider, mais qui ne savent pas comment et par où commencer, parce que ce n'est pas facile. Hein. Faire un projet, franchement, ce n'est pas facile. J'avais les maux de tête, le stress, mais avec le temps, j'ai vu que bon, ça va. Donc, ce que je demande à la population, toutes ces personnes qui me regardent actuellement, si vous avez les moyens, vous voulez aider les enfants et vous ne savez pas comment s'y prendre, je suis là. Contactez-moi, ma page Facebook c'est Islove l'Américaine. Contactez-moi, écrivez-moi et puis ensemble, on va aider beaucoup d'enfants.